Comment gagner de l'argent sur Internet gratuitement et sans montrer ton visage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une méthode méconnue pour générer des revenus sur Internet, donc gagner de l'argent sans avoir besoin de montrer ton visage, sans avoir besoin de dépenser un seul euro, sans avoir de site Internet, sans avoir de produits, sans avoir de compétences techniques. Alors oui, je sais, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais attends, je vais tout expliquer de A à Z, étape par étape. La seule chose que je te demande, c'est de rester à la fin de cette vidéo, de rester jusqu'à la fin pour la simple et bonne raison que si tu loupes une étape, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser cette méthode et tu ne pourras pas gagner d'argent. Donc, c'est vraiment étape par étape. On va voir le côté théorique pour ensuite passer au côté pratique. Donc, comme ça, le côté pratique, ça va te permettre de te lancer dès la fin de cette vidéo et c'est pour ça que tu dois suivre toutes les étapes de A à Z. Cela étant dit, on va passer tout de suite sur mon écran. Juste avant, n'oublie pas de me mettre un énorme pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage dans mon travail, c'est gratuit, c'est rapide. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications si la méthode te plaît, bien évidemment. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur mon écran et on découvre ensemble comment gagner de l'argent sans que tu aies besoin d'en dépenser. C'est parti. Ok, alors nous voici sur Instagram et c'est ici que l'on va découvrir la méthode que tu vas pouvoir utiliser pour gagner de l'argent. On va voir la théorie comme promis et ensuite on passera à la pratique. Ici, on est sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre. Je vais poster du gros contenu dans les prochaines semaines. Le lien est dans la description. C'est gratuit, bien évidemment. Ici, on va prendre un exemple. Donc, je vais rechercher un compte. Je vais taper par exemple motivation. Et là, on va voir plein de comptes sur la motivation comme tu peux le voir. Donc, il y en a plein, par exemple Destin Millionnaire. Donc là, c'est un compte à 72 000 abonnés. Donc forcément, les comptes que nous propose Instagram, eh bien, ce sont des gros comptes. Mais heureusement, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'abonnés pour gagner de l'argent avec cette méthode. Avec seulement quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés maximum, bah, tu peux gagner de l'argent en automatique. Tu peux gagner de l'argent sans en dépenser. Tu peux gagner de l'argent sans compétences techniques. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Ici, on est 72 000 abonnés parce que bah, l'algorithme d'Instagram nous propose les gros comptes. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de comprendre la méthode et ensuite de découvrir comment l'appliquer de ton côté pour lancer un compte Instagram rentable sans avoir besoin de montrer ton visage, sans être en maillot de bain sur la plage ou quoi que ce soit. Destin Millionnaire, tu vois ici les publications. On a donc des réels ici et des publications classiques. Les réels, c'est tout simplement des petites vidéos. Donc, comme tu peux le voir ici, c'est une célébrité. Et en gros, la personne, elle va parler et il y a le texte qui va défiler. C'est généralement une courte vidéo de 20-30 secondes pour partager un conseil, une méthode, une réflexion, etc. Et tu vois que c'est que des célébrités. Ici, par exemple, tu as Jules, tu as Bob Marley, tu as Zlatan. Enfin, voilà, tu as des actrices, des acteurs, des chanteurs, des chanteuses, des cuisiniers, etc. Ronaldo, des footballeurs, il y a Pogba, Kanté, etc. Voilà, c'est des célébrités. En fait, le compte Instagram va utiliser l'image de ces célébrités, la notoriété de ces personnes pour faire grossir son compte. Donc, c'est très malin. Et également, ici, tu as des publications où la personne ne montre en aucun cas son visage. Donc, tu vois ici, 12 compétences à forte demande. Là, il y a 800 likes. Ici, c'est une voiture. Ici, c'est du texte. Il y a des photos, etc. Là, tu vois, c'est Jeff Bezos et Warren Buffett, etc. Donc, il n'y a que des publications où la personne est inconnue. C'est-à-dire que personne ne connaît le visage qui se cache derrière ce compte. Et pareil pour les stories, tu vois ici, la personne ne montre en aucun cas son visage. Elle republie tout simplement les réels, les publications qu'elle poste sur Instagram. Et tu vois, si je mets motivation, si je reprends un autre, je sais pas, par exemple citation entrepreneur, bah là c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est que des publications où il y a du texte, où il y a un conseil, où il y a un visuel, où il y a une photo, tu vois, Oussama Hamar, Jeff Bezos, etc. Et dans la story, bah, une nouvelle fois, la personne ne montre en aucun cas son visage. Donc, c'est très très puissant et tu vois, t'es pas obligé de montrer ton visage pour avoir une grosse communauté sur Instagram. Là, 170 000 abonnés, c'est juste colossal. Une nouvelle fois, heureusement, tu n'es pas obligé d'avoir autant d'abonnés pour gagner de l'argent avec cette méthode. Mais ce que je souhaite te dévoiler, eh bien, c'est que ici, tu vois, la personne redirige vers une chaîne YouTube. Et tout à l'heure, c'était très intéressant parce que la personne, elle redirigeait non pas vers une chaîne YouTube, mais vers un canal Telegram. Et c'est très puissant parce que un canal Telegram, c'est gratuit à créer, c'est facile
facile à créer et surtout ça va te permettre de développer une relation avec ton audience. Et sur ce canal Telegram, bah, tu vas pouvoir envoyer des liens. Donc ici tu vois en gros la stratégie de la personne, c'est d'amener un maximum de personnes d'Instagram vers Telegram. Et sur Telegram, eh bien, la personne va partager des liens d'affiliation, elle va partager ses formations, ses produits, ses services, ses coachings, également ses autres réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça c'est très très malin de sa part. Tu peux bien évidemment mettre soit Telegram, soit un lien d'affiliation directement dans ta bio, ça c'est possible également, ou alors le lien vers une page de vente pour vendre ta formation, ton ebook, ton coaching, ton service, etc. Ça peut être également très intéressant. Moi ce que je fais, c'est que je redirige vers une page de capture. Donc là tu vois que la personne, eh bien, elle est redirigée vers une page sur laquelle je demande l'email de la personne pour pouvoir recevoir la feuille de route gratuitement. La feuille de route, c'est un guide qui va expliquer en 7 étapes comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois sur internet. Et c'est un guide extrêmement puissant. Et donc si la personne veut recevoir son exemplaire gratuitement, elle a simplement à renseigner son email. Donc ça c'est ma stratégie. Tu vois, j'aurais pu très bien mettre mon canal Telegram et collecter un maximum de personnes sur Telegram. Mon objectif, c'est de capturer des emails. Et donc j'ai voulu mettre une page de capture. Mais en tout cas, tu peux faire soit Telegram, soit les emails, soit directement un lien vers une page de vente ou un lien d'affiliation. Et c'est comme ça que tu vas générer des ventes. Et ce système me permet de générer de l'argent toutes les semaines en automatique, parce que j'ai simplement à publier des contenus, à les planifier, et ça se fait en automatique et j'automatise mon compte Instagram. Mais maintenant tu vas certainement te demander, ok, mais comment faire pour créer ce genre de publication? Tu vois, si je retourne sur Citation Entrepreneur par exemple, comment faire pour créer ce genre de postes, de publications? Eh bien c'est très simple et je vais t'expliquer comment le faire de A à Z. Juste avant, sache que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo une formation offerte plus une stratégie à copier-coller pour gagner de l'argent sur internet. C'est 100% gratuit, tu as simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu reçois tout ça gratuitement immédiatement dans ta boîte mail. Comme promis, eh bien on va découvrir ensemble comment créer ce genre de publication. Donc on va aller sur un autre site qui s'appelle Canva, canva.com. Ici on est connecté sur mon compte, donc si tu n'as pas de compte, je t'invite à t'inscrire, c'est gratuit. Si tu as un compte, je t'invite à te connecter tout simplement, c'est totalement gratuit. Alors il y a une version payante, mais c'est absolument pas obligatoire pour ce qu'on souhaite faire sur Instagram. La version gratuite est amplement suffisante et c'est celle que je te recommande et c'est celle que j'ai également sur mon compte actuellement. Donc une fois que tu es sur ton compte, ici dans rechercher, eh bien on va taper Instagram et on va avoir publication Instagram. Et là, en fait, on va avoir plein de visuels, des templates, tu vois. On a des templates que l'on peut réutiliser, que l'on peut modifier, etc. Donc, tu vois, par exemple, un template comme ça, c'est parfait si tu veux faire un compte Instagram de publication, par exemple. Enfin, y a énormément de choix. Tu vois, ici, par exemple, aussi, ici aussi, ici aussi. Tu vois, si tu veux faire un truc avec des citations, c'est très, très simple. Sinon, tu as publication Instagram vierge. Et là, en fait, on va avoir le format idéal, donc en carré, pour les publications Instagram. Donc, pour ça, tu vois. Ici, on a plusieurs publications. Ce qu'on va faire, ce que je te propose de faire, c'est par exemple de refaire celle-ci, pas forcément dans l'identique. Moi, ce que je te conseille, ce n'est surtout pas de copier-coller le contenu des autres personnes sur Instagram, mais c'est de t'en inspirer. C'est très très simple sur Canva, parce que tu as simplement besoin de mettre un fond noir. Donc c'est parti, on va aller dans éléments. Ici, on va chercher carré. Ici, on va mettre un carré comme ça, ok. Donc là, tu vois, c'est en noir. Si jamais ils te le mettent en gris ou en bleu, tu vois, tu cliques ici et tu le mets en noir ici, tout simplement. Ensuite, tu viens le faire remplir, eh bien, sur l'intégralité de la publication. Après, tu vas tout simplement mettre du texte ici. Donc, texte là. On va ajouter un titre, donc ajouter du texte. On va mettre, par exemple, 7. Ici, on va l'agrandir, tu vois, 7. Ici, habitude de millionnaire, pareil, tu vois, tu rajoutes un texte. Bien évidemment, tu peux modifier la police juste ici. Donc, tu peux choisir celle qui te correspond le mieux pour ton branding, pour le feed de ton compte Instagram, etc. Par exemple, 7 conseils de millionnaire. Là, ensuite, on va le mettre sur la droite. On va réduire, hop, comme ceci, les espaces. On peut bien évidemment changer la couleur. On peut aussi réduire la taille. Hop, cette conseil de millionnaire. Si jamais tu veux le mettre en jaune ou en bleu ou en vert, peu importe, si tu veux le mettre en orange, tu le mets en orange. Si tu veux avoir un plus gros, fort orange, tu le mets en orange comme ceci. Là, tu mets conseil de millionnaire. Et ensuite,
Eh bien, c'est très simple, tu fais copier-coller. Tu mets une puce, tu réduis la taille du texte, tu le mets sur la largeur. Et là, tu vas venir mettre conseil 1, conseil 2, conseil 3, conseil 4, conseil 5, conseil 6, conseil 7, etc. Là, tu peux ajuster également les espaces, voilà, comme ceci. Tu peux également, bien évidemment, réduire sur les côtés, voilà. Et on a une publication qui est très similaire à ça. Et après, tu as simplement, tu vois, à sélectionner le texte que tu souhaites mettre en orange, en jaune, en vert, etc. Et voilà, tu mets en fait le texte qui est très important en couleur et ça te permet également d'avoir un truc similaire. Et citation entrepreneur, bah c'est pareil, tu viens copier-coller le texte, tu viens le mettre ici, tu mets arrobase, ton nom par exemple ou ton compte, je vais mettre ton compte, tu le réduis et tu le mets ici. Et voilà, là on a très facilement, très rapidement une publication qui est similaire à ce que ce compte fait. Alors bien évidemment, il y en a plein d'autres. Je t'invite pas à copier-coller un compte Instagram en particulier. Dans tous les cas, je te déconseille fortement de copier-coller, mais je voulais t'expliquer en fait comment ce genre de compte Instagram crée des publications. Et tu vois que c'est très très simple. Et après, si tu veux ajouter un élément, tu vois dans élément, ici tu mets argent par exemple. Et si je reprends l'exemple, tu vois par exemple ce sac de dollars ici, eh bien là tu mets argent. Alors là, ça va être de l'argent, la couleur de l'argent. Sinon, je mets dollar par exemple. Hop, dollar avec un S. Et là, je vais avoir des dollars, donc je vais avoir par exemple le signe, je vais avoir également des sacs de dollars, je vais avoir des billets, je vais avoir, tu vois, le sac ici, je peux le mettre ici si je veux, etc. Donc je peux vraiment très facilement créer une publication Instagram gratuitement en quelques minutes top chrono sans aucune compétence technique. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur télécharger ici au format PNG, télécharger et ensuite, eh bien, tu vas venir le mettre en ligne sur Instagram. Donc là, tu télécharges, ça va venir le télécharger directement sur ton ordinateur et ensuite tu vas venir publier ça sur Instagram. Donc tu peux le faire directement sur ton téléphone ou alors sur des outils comme Buffer.com par exemple. En gros, ça c'est un outil qui va te permettre de planifier ton compte Instagram. Donc tu as Buffer et d'autres outils comme par exemple Later qui est plus ou moins similaire. Et en gros, tu vas pouvoir tout simplement publier et planifier sur toutes tes publications. Donc en gros, sur Canva, tu peux créer 50 publications et sur Buffer, tu vas planifier en fait une publication par jour pendant 50 jours. Donc c'est extrêmement puissant et on va aller dans le pricing et tu vois ici, tu as une version gratuite. Donc tu as le droit à 3 réseaux sociaux à 10 planifications. Donc c'est suffisant pour démarrer. Et après, tu as d'autres outils comme later.com. Ici, en termes de prix, on a également une version gratuite et ici donc on est sur 30 publications par réseau sociaux, donc c'est par mois, donc 30 par mois ça fait une par jour, donc ça peut être très très puissant et tu as le droit à un réseau social dont Instagram. Donc ça c'est très puissant et je t'invite à utiliser l'un des deux de ces outils pour tout simplement planifier tes publications et ainsi automatiser les publications de ton compte Instagram et donc amener un maximum de personnes vers ton compte Instagram et tu peux rediriger donc les personnes vers ton canal Telegram, ton groupe Facebook, ta chaîne YouTube, vers une page de vente, vers un lien d'affiliation, vers une page de capture pour capturer les emails, etc., etc. Et l'objectif, ça va être de créer une machine à cash. Donc si jamais tu as des questions à propos de cette méthode, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à générer des revenus sur Instagram et sur Internet dans son ensemble, sans avoir besoin de dépenser de l'argent, sans avoir besoin de montrer ton visage sur Internet. Si tu souhaites avoir donc des informations, des réponses à tes questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas également de télécharger gratuitement ta formation offerte plus ta stratégie à copier-coller pour générer des revenus avec l'affiliation dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une agréable journée. Abonne-toi, active les notifications, like la vidéo pour m'encourager dans mon travail. A tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre, ciao ciao.